Comme le Royaume-Uni, le Laos partage ses frontières avec la Chine, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Communiste depuis 1975, le Laos sort peu à peu de l'isolement et s'ouvre au tourisme. Une manne providentielle pour ses 5 millions d'habitants essentiellement bouddhistes, vivant avec un salaire moyen de 1 dollar par jour. Pendant la guerre du Vietnam, le Laos, qui n'était pourtant pas en conflit avec les États-Unis, a beaucoup souffert des bombardements le long de la piste Ho Chi Minh. Cette guerre secrète a fait plus de 400 000 victimes. Pour lui venir en aide, les pays occidentaux ont financé à partir de la fin des années 60 la création d'un barrage hydroélectrique à une soixantaine de kilomètres de la capitale Vientiane. Les résultats sont probants. L'hydroélectricité est aujourd'hui devenue l'une des premières ressources du pays avec l'exportation de bois. La construction du barrage de Nam Gum s'est faite en trois phases. À partir de 1967 jusqu'à 1971, ont été mis en place les équipements électriques. C'est pendant cette première phase que le lac a été créé. Pour l'intérêt commun, le Laos produit de l'électricité au barrage de Nam Gum pour que le peuple laotien l'utilise dans la vie quotidienne et surtout dans la capitale, Vientiane. Après, on achemine l'électricité au nord du pays jusqu'à Luang Prabang. On en vend aussi une grosse partie à la Thaïlande, au sud. Cette richesse naturelle nous permet ainsi de gagner des devises étrangères. Avec le développement du pays, on prévoit de construire de nouveaux barrages dans les 10 ans à venir. Avec la construction du barrage, toute une vallée a été noyée sous des millions de mètres cubes d'eau, donnant naissance au lac de Nam Gum. Avant le lac, il y avait ici un village avec une trentaine de maisons. Quand le gouvernement a créé le barrage, il y a eu d'énormes inondations. La population qui habitait dans la vallée a dû se réfugier sur le bord du lac. Avant les travaux du barrage et la création du lac artificiel, il y avait d'immenses forêts dans la vallée. On y trouvait des tigres, des éléphants et des crocodiles. Avec l'inondation, toutes les forêts se sont retrouvées sous les eaux. Le gouvernement n'avait pas eu le temps ni les moyens de déboiser. Tout le bois est donc resté sous l'eau. Les gens ont dû abandonner leurs maisons et leurs champs. D'après les études, il paraît que le lac mesure 320 km². Pour les îles, on n'est pas encore renseigné. Ce n'est pas vraiment officiel. Peut-être qu'il y en a 3000 ou 4000. En tout cas, il y en a très peu d'habitants. À la création du lac artificiel de Nam Gum, la région abritait des factions rebelles. Sans sommation, les villages et les forêts furent inondés. Le Laos ne possède aucun accès à la mer. Les gens de la région, paysans pour la plupart, ignoraient tout des activités aquatiques. Le gouvernement finança même un programme pour importer des variétés de poissons et créer un secteur de pêche, sans succès. Jamais à court d'idées, les autochtones découvrirent au début des années 80 une autre activité lucrative. La coupe du bois. Car le lac est un véritable gisement. Des milliers d'arbres immergés attirent désormais toutes les convoitises. Âgés de plusieurs centaines d'années, ils ont continué de pousser sous l'eau.
la putréfaction n'est que superficielle. Le cœur des arbres, lui, est resté intact. Il nous est utile de couper les troncs d'arbres car les branches et les déchets se mettent dans nos turbines et stoppent la production d'électricité. On a donc besoin de nettoyer ce lac. En plus, ça permettrait d'enlever l'odeur de pourriture des arbres en décomposition. Le bois coupé permet aussi de fabriquer des meubles et d'autres objets. Et ça, c'est utile pour le peuple laotien. Depuis que le gouvernement a autorisé la coupe du bois, ça s'est beaucoup modernisé. Et j'ai même entendu dire que maintenant, ils utilisent des hommes grenouilles pour pêcher le bois. Je crois que c'est un des seuls endroits au monde où l'on va chercher du bois sous l'eau. Attendent la saison sèche pour couper les troncs d'arbres. À cette période, le niveau du lac descend de plus de 10 mètres. La première étape avant la coupe est le repérage des meilleures souches. Une équipe de plongeurs descend à la recherche des plus belles essences de bois à de grandes profondeurs. Je nage en faisant très attention. J'observe bien si j'aperçois des plantes ou des branches de bois que je dois éviter. Quand l'eau devient trop sombre, je ne vois pas bien. Alors j'essaye de nager tout doucement, en tâtonnant. Quand je suis très profond et que je ne vois rien, je remonte jusqu'à un endroit plus clair. Dans l'eau, il y a trois niveaux. Un premier niveau à environ 5 mètres où l'eau est très claire. Ensuite, l'eau devient très dense, presque noire. Au troisième niveau, tout au fond du lac, vers 40-50 mètres, l'eau redevient très claire. Par là-bas, il y a plein d'anciennes maisons sous l'eau. Toutes ces anciennes habitations ne tiennent plus en place. Les murs s'écroulent. On voit juste les poutres, les toits, eux, ont disparu depuis bien longtemps. Je vois souvent la pagode. Il y a un grand Bouddha en béton juste devant. Au fond de l'eau, il reste encore plein d'objets des villages d'avant. Mais moi, je n'ose pas en prendre pour les remonter, car j'ai peur des objets anciens. Lorsqu'un plongeur a repéré un tronc d'arbre en bon état, il pose une marque. Une bouteille en plastique reliée au fond indique à la barge de découpe l'endroit où envoyait le tronçonneur. Moi, j'aimerais être plongeur comme eux et aussi couper le bois. Pour ça, je m'entraîne tous les jours. Il faut que je m'exerce. Comme ça, quand les autres seront vieux, je pourrai prendre leur place. Avant, sur le lac, il y avait une cinquantaine de bateaux pour couper les bois.
plein de petites entreprises individuelles et de petits commerçants travaillaient en même temps. Depuis que le gouvernement a changé les lois, il ne reste que 9 ou 10 bateaux qui peuvent investir ici. Mais ils doivent tous vendre à la même entreprise. La coupe de bois commence toujours par le même rituel. Le bûcheron-scieur se concentre un long moment avant de plonger dans les profondeurs du lac. Ses coéquipiers vérifient le bon fonctionnement de la tronçonneuse et du compresseur qui permet de respirer sous l'eau. J'utilise l'énergie hydraulique du bateau. La pression est envoyée par les câbles et lorsque j'appuie sur le bouton, la tronçonneuse se met en marche. Je dois la manier avec précaution, c'est très dangereux. Il faut se concentrer en permanence, sinon on peut se couper. Les bûcherons du lac prennent tous les risques pour gagner leur vie. Leur matériel de plongée est rudimentaire et lors des plongées profondes, ils ne prennent jamais le temps de faire les paliers de décompression. À chaque plongée, ils mettent leur vie en péril. Les ouvriers gagnent à peu près 25 dollars par mois. Pour ceux comme moi qui coupent et trouvent le bois, on gagne 3 fois plus. Un chargement de bois tendre rapporte 5 dollars en plus. On gagne encore plus avec un chargement complet de bois dur comme le bois de rose. Là, c'est le double. Ce métier est très dangereux car on peut risquer la mort. Mais ça en vaut la peine. On touche un bon salaire, surtout si on tombe sur une belle souche. Le premier bateau sert pour la coupe du bois. Il alimente en énergie la tronçonneuse et fournit l'air pour les plongeurs. La petite barque, elle, amène les plongeurs pour la recherche des bois. Le troisième bateau, lui, est une barge qui permet de ramener le chargement jusqu'au bord du lac. Thank you.
On a eu du bois de rose surtout. La barge est presque pleine. C'est bien, vous direz décharger demain. Ok, compris. Maintenant, ils s'en vont mesurer les troncs de bois de rose et de padouk. Ce sont des bois durs et solides, de très bonne qualité. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. Ils en ont trouvé beaucoup. Pour couper le bois dans le lac de Namgum, ça coûte beaucoup plus cher que dans la forêt. Ça représente un gros investissement. Avant, on était bien plus nombreux, maintenant il ne reste plus qu'une dizaine de bateaux. En fait, tous ceux qui n'ont pas investi dans du matériel moderne ont fait faillite. Moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans la technologie de plongée. En plus, je dois entretenir plusieurs bateaux et payer les salaires des hommes grenouilles. J'ai eu du mal à trouver des gens qui savent plonger et nager. C'est assez dangereux. Les gens qui coupent le bois dans le fond du lac risquent leur vie, beaucoup plus que ceux qui coupent le bois en forêt. Nous sommes en train de faire les comptes. On fait ça à la fin de chaque journée. En fait, je note les rondins de bois que chaque plongeur a trouvé. En tout, nous sommes trois plongeurs et je calcule le nombre de mètres cubes pour chacun. Il faut tout mesurer pour savoir combien on va gagner. Par exemple, aujourd'hui, Moon a trouvé 25 mètres cubes de rondins. On calcule combien de dollars ça lui fera. Les bûcherons devront passer une nuit de plus sur leur embarcation au confort rudimentaire. Chaque mission dure 2 semaines. 15 jours sans poser le pied à terre, sans voir leur famille rester dans les villages environnants. Une fois le bateau-barge chargé, les deux embarcations se séparent. Tous les rondins de bois pêchés sous l'eau sont acheminés par les plus jeunes vers les rives du lac. Les mousses de l'équipage sont âgées de 14 à 17 ans. Ils sont chargés de livrer la précieuse cargaison de bois au débarcadère situé près du principal axe routier au nord du Laos. Ce lieu de déchargement est distant d'une quinzaine de kilomètres de la zone des forêts immergées. Je travaille depuis 10 ans dans le secteur du bois. Je pense que dans quelques années, il ne restera plus beaucoup de bois exploitable au fond de l'eau. D'ici là, je pourrai peut-être recycler mes bateaux dans le tourisme ou la pêche si ces activités se développent. Mais pour l'instant, je vends du bois à l'entreprise Lao aussi. C'est cette entreprise qui transforme le bois brut avant de l'exporter vers l'étranger. Le gouvernement laotien a cédé en 1990 l'exploitation du bois du lac à une seule entreprise. La société Lao aussi a aujourd'hui le monopole sur la filière du bois du lac de Namgum. La qualité du bois sous-marin est supérieure à celle des forêts. Sous l'eau, les fibres de bois ont gonflé et se sont densifiées. Les termites et autres nuisibles ont disparu. Du coup, ce bois, souvent centenaire, est plus solide et plus dur. En revanche, la couleur du bois qui est restée sous l'eau pendant 30 ans n'est pas aussi jolie que celle du bois des forêts. Le marché du bois précieux est en pleine expansion. Nous exportons à bon prix en Thaïlande, à Taïwan, au Japon et en Chine. Chaque jour, 3 à 4 bateaux déchargent leur cargaison. L'équipement est des plus sommaires. Des grues obsolètes tractent directement le bois depuis le bateau. Les mesures de sécurité sont quasiment inexistantes.
Et chaque année, on déplore de nombreux accidents graves dus à la chute des bois. Je décharge les troncs selon leur taille et leur qualité. Quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est en désordre. Mais en fait, quand on connaît le bois, on trouve ce qu'on cherche. Devant moi, c'est les bois tendres. Ils sont moins chers que les bois durs. Les plus rares sont les variétés d'ébène, de palissandre, de padouk et de bois de rose, bien sûr. Il faut qu'on travaille vite. Si on oublie de faire attention, le bois peut nous tomber dessus. Donc c'est très dangereux. Il faut qu'on soit prudent tout le temps. Mais je commence à avoir de l'expérience. Quand on amène les troncs de bois depuis les profondeurs jusqu'au bord du lac, il faut les partager entre les différents camions, les différentes entreprises et les scieries. Moi, ce que je souhaite, c'est gagner de l'argent. J'économise pour ma mère qui est pauvre. Et puis un jour, je me marierai. J'espère que je n'aurai pas trop de difficultés pour vivre. Pendant que le bateau-barge retourne à vide vers les lieux de coupe, un comptable prend en charge les troncs et procède à leur marquage en fonction de leur qualité et gabarit. Je suis responsable de la mesure des rondins. Je veille à ce qu'il n'y ait pas de litige entre le client et les propriétaires des bateaux. J'écris les reçus, j'établis la comptabilité du bois et sa répartition. Je vérifie les payes aussi. Ça représente beaucoup de chiffres et beaucoup de travail parce que c'est ici qu'arrive tout le bois du lac. Avant, il y avait beaucoup de grands rondins et puis ils ont commencé à disparaître et maintenant il ne reste plus que des petits. Tout a déjà été nettoyé dans ce lac. L'engouement pour les bois précieux exotiques ne date pas d'hier. La plupart des pays d'Asie, Thaïlande et Cambodge en tête, ont été en grande partie déboisés. Au Laos, les essences rares se trouvent la plupart du temps dans des forêts accessibles uniquement à dos d'éléphant, au prix de grands efforts. Dans ce contexte, il n'est pas insensé d'aller couper du bois sous l'eau par 40 mètres de fond. Le bois du lac est de bonne qualité. En plus, il y a beaucoup de variétés. Les bois tendres sont utilisés pour la décoration des maisons ou pour la construction. Quant aux bois solides et durs, ils servent pour le mobilier et partent souvent à l'exportation. Il est inutile de faire sécher le bois du lac au soleil, ce qui nous permet de le débiter dès qu'il arrive. À la différence du bois des forêts, on peut l'exporter sans avoir à le traiter. Au Laos, pays communiste, les populations vivent de peu. Tout est bon pour améliorer son ordinaire. Aujourd'hui, le bois exotique trône dans tous les salons occidentaux.
Pourtant, personne n'imagine qu'à l'autre bout du monde, des hommes ont pris tous les risques pour ramener ces bois précieux des profondeurs. Non, tout ça c'est normal. Je n'ai pas peur sous l'eau, ce sont les autres qui ont peur pour moi. Je suis habitué. Moi, je me balade ici comme dans une forêt.